Attends, c'est parti. 4. Oh, dès qu'il y a guerre, dès qu'il y a mine de rien. Il y a un gars que j'ai très profondé avec lui en plus. Il est à l'étoile. Ici. On en dit. On est déjà en direct. Hein. Ok, good morning, good afternoon, people. Good morning, good afternoon, people. Welcome to Carisport. Bienvenue à vous, bienvenue à toutes et à tous sur la page Carisport. Vous êtes en direct. Nous sommes en direct sur l'enceinte de la solidarité scolaire. Et avec nous comme invité aujourd'hui, nous avons Benjamin Corandi. Bonjour Benjamin. Salut Gaël, salut à tous. Bon, et bien merci Benjamin d'avoir fait le déplacement. Aujourd'hui, nous allons discuter de la rencontre du CSM contre la solidarité scolaire. Une rencontre qui s'est terminée sur le score de 4 à 1. Donc avant de commencer un peu ce débrief, puisqu'on va parler... Avant de commencer ce débrief, on va parler un peu de... Le savais-tu, Benjamin, que la dernière fois que le CSM a perdu un match 4 à 1, c'était le 13 mai 2012 contre l'AJ Saint-Étoile. Ça ouais, fait plus de 8 ans. Ouais, la GSS, ouais, ouais. J'étais, ils avaient perdu. Cette année-là, c'est la pire année depuis l'arrivée de Richard au sein de cet effectif-là. J'étais là, ils avaient perdu. Cette année-là, le titre se jouait entre la GSS et l'Étoile. Et sur le fil, la GSS avait emporté. Mais non, tu m'apprends quelque chose. Je sais qu'ils avaient pris 4-1. À l'époque, c'était l'ancien stade. Ils avaient pris 4-1 ou 4-2, je ne me rappelle plus, 4-1, je crois. Mais ouais, bah, c'est quand même, il faut le souligner, c'est quand même un exploit de la SS d'être arrivé au moule et d'en mettre 4 à cette équipe du CSM. Si tu me dis que depuis 2012, ils n'ont pas pris 4 buts, ça reste quand même un exploit, quoi. Mais après, c'est pas étonnant vu ce qu'on a vu, quoi. Donc justement, parlons un peu de cet exploit. Si on commence avant d'aller sur l'analyse complète du match, si on parle un peu des buts en eux-mêmes sur chacune de ces phases, on a pu visionner les vidéos qu'on va faire le live en différé. On va montrer les vidéos, mais sur le premier but, parle-nous un peu de ce premier but en sachant que la SS a mis 9 passes consécutives avant de marquer le but qui est sur l'appel de Raphaël. Ouais, bah en fait c'est la preuve d'une maîtrise collective, quoi. Samedi, ils ont fait preuve d'une belle maîtrise collective avec un jeu, et on reviendra là-dessus, ultra offensif, parce qu'ils ont quand même aligné 4 joueurs à vocation offensive, plus Salazar. Donc ça veut dire qu'ils avaient des ambitions. Il faudra peut-être reparler de l'ambition adverse. Mais c'est une preuve de force collective. Et là, cette année-là, la SS montre peut-être ce que la SBOZI avait montré l'année dernière par moment. Parfois, la SBOZI a su, si tu veux, faire preuve aussi d'une belle, comment dirais-je, d'une belle maîtrise collective sur certains matchs. J'avais vu un match justement au Moule où ils avaient maîtrisé le phare. Ils avaient gagné 3-2 à l'arrivée. Donc voilà, mais ce que l'ASS a fait et les buts l'attestent, c'est vraiment une maîtrise collective et technique, et évidemment concrétisée par un joueur exceptionnel. J'espère qu'on a bien pris conscience que ce gars-là n'aurait jamais dû être ici, quoi, tu vois. J'espère quand même qu'on a pris conscience de ça. On va peut-être faire une comparaison brève tout à l'heure entre lui et Anatole, mais pour moi ce n'est pas le même profil. Et le nombre de solutions que ce mec-là a apporté samedi à ses coéquipiers, c'est surtout ça, quoi. Tu vois, si aujourd'hui on résume Raphaël Nirval à juste le rôle d'un buteur, c'est qu'on n'a rien compris. Ouais. C'est qu'on n'a rien compris. Ce mec-là, c'est un 9, c'est un 9,5, c'est un 10, c'est un 10,5, c'est un 11.
Ce mec-là est partout, à lui seul, c'est toute une attaque, c'est toute une ligne d'attaque. Et il l'a montré, et il était vraiment généreux dans les efforts, il revenait aussi défensivement. Voilà, quand on est un joueur comme ça, et ça fait un moment qu'on a... Parce qu'on parle, on a tendance un peu à comparer avec Gautin, par exemple, à l'époque. C'est pas le même profil, quoi. Gautin était vraiment un buteur. C'est un mec qui, à tout moment, te changeait la physionomie du match. Mais là, en l'occurrence, on a un mec qui, non seulement est un buteur, mais qui aide beaucoup ses partenaires au milieu de terrain. Et c'est ce que j'ai apprécié. Donc, continuons par des buts. Oui, si on revient là-dessus, la plupart des buts, enfin, de ses buts, et surtout le dernier aussi, celui de Livio Damasagis, que j'aime beaucoup, qui a fait preuve aussi d'un numéro, d'un exploit individuel. Franchement, c'est... Mais encore une fois, on peut dire tout ce qu'on veut, mais tout ça, c'est travailler à l'entraînement. Alors, j'ai pu comprendre que Raphaël ne peut pas s'entraîner tout le temps avec le collectif. Mais bon, lui, il a déjà un talent un peu plus que les autres. Ouais, et il le met au sein de cet effectif-là. Donc, la SS, cette année, c'est vraiment un concurrent. Et sur chaque but, il y a des choses à dire, quoi. Et concernant, justement, après le but de Raphaël, on a une réponse d'Anatole qui est un but... à peu près du même style, c'était un appel sur une passe longue où il a su faire la différence. Après la sortie d'Anatole, le CSM a eu du mal de rentrer dans le match avec un Raphaël qui continue à créer ses occasions. Exactement. D'où le troisième but qu'il a créé, il a créé sa propre occasion. Exactement. Mais alors, le truc, c'est que, à la différence de ce que tu disais, un peu du même style, pas vraiment, dans la mesure où ça reste une passe longue de derrière. Et où Anatole prend le meilleur sur des défenseurs qui ne sont pas vraiment des défenseurs. Linon et Pino sont des milieux de terrain. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de solution en ce moment. Donc c'est eux qui palliaient l'absence des défenseurs centraux comme Jérôme, pas bien. Donc voilà, et d'ailleurs ils ont fait un très bon match. Mais ouais, ils ont été aidés par un collectif qui a bien marché. Et pour revenir donc, sur la réaction d'Anatole, qui ne s'est pas fait attendre, il s'est imposé physiquement, il a su prendre le meilleur sur cette défense-là. Et ça n'a, pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que Mirva l'a montré. Alors malheureusement, on ne saura jamais quelle en serait la fin de l'issue de ce match s'il était resté. Malheureusement, il n'est pas resté, mais pour ce que j'ai vu en tout cas, la force, la supériorité de la SS me paraissait, si tu veux, bien plus proche d'une issue, si tu veux, favorable à la SS plutôt que le CSM. C'est dommage, le CSM a perdu Anatole. J'aurais bien aimé voir ce match-là avec Anatole, parce qu'il y a eu vraiment une réponse tard. Quelques minutes. Donc, voilà, ça laissait présager une belle rencontre. Malheureusement, il est sorti, mais à mon avis, quelle que soit l'issue de ce match avec ou sans Anatole, je pense que Mirval était l'homme du match. Et avant de venir sur l'aspect tactique dans l'ensemble de ce match, on a cru entendre des supporters dire que le match aurait été totalement différent avec un effectif différent. Un effectif différent. Alors j'ai su que le CSM n'avait pas. Tandis qu'Achetier était blessé. Et il y a d'autres joueurs dans cet effectif-là qui font partie du milieu de terrain, des milieux assez créatifs. Dimitri Fautré, par exemple. Charfort, Bolmain, il revient, Gautin revient, mais bon, quand on parle du milieu de terrain, il y a de quoi faire au CSM. Je ne sais pas s'il y a de quoi faire, concurrencer la SS. Dans cet effectif-là, quand même, il y a pas mal de milieux de terrain qui peuvent tenir le ballon, quoi, tu vois. Alors après, ça reste une autre conception du foot au CSM. Faire ce que la SS a fait avec des milieux ultra offensifs qui gardent le ballon, c'est pas vraiment dans la philosophie de Richard Albert. Mais quand je regarde l'effectif du CSM, il y a de quoi faire, quoi, tu vois. Donc maintenant, c'est se poser la question, est-ce que Richard Albert va se remettre en question? Est-ce qu'il sera ouvert un peu plus vers le jeu? Parce que l'année dernière, peut-être qu'il n'avait pas les moyens de le faire, mais cette année, il l'a. T'sais. Je rappelle quand même que dans cette équipe-là, tu as Chaffon, tu as Francione, tu as Lobry, tu as Dimitri Fautré, tu as Vicartier, tu as Gomez, tu as Bolmain et tu as Soudan. Excuse-moi, quoi. Il y a de quoi faire pour le milieu de terrain. Donc voilà, maintenant, c'est ce que je reproche à Richard, parce que les gens ont tendance à penser que j'ai quelque chose contre Richard. Non, j'ai rien contre Richard. C'est quelqu'un que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Ce que je lui reproche, c'est son manque d'ouverture vers le jeu. Et là, cette année, malheureusement, il n'a pas pu le faire l'année dernière, mais là, cette année, il a de quoi faire. Donc, on aimerait voir ce que ça peut apporter.
On verra mercredi s'il y a du changement. À mon avis, c'est un peu trop tôt pour espérer. En plus, il va rencontrer une équipe où il y a aussi un coach qui est vraiment ouvert vers le jeu. J'ai l'impression de Gérard Andy. Donc, on va voir ce que ça donne, mais je ne suis pas sûr que la claque reçue samedi va lui permettre de réfléchir autrement, en tout cas un peu plus offensivement. Mais j'aurais aimé, quoi, le supporter du CSM, aidez-moi quoi, à faire passer ce message-là. Quoi. Voilà. Le CSM, ça a souvent gagné avec cette manière de jouer. À un moment donné, c'est autre chose. Quoi. Le CSM a pas mal d'ambition. Enfin, la Ligue des champions de la Caraïbe, pas cette année, mais sur les prochaines années. La Ligue d'Antilles, enfin, la Coupe de France. Voilà, le CSM, c'est une équipe qui joue pas mal de choses. Mais tu ne peux pas avoir autant d'ambition si tu ne passes pas un cap au niveau du jeu. Quoi. J'espère que ça va arriver. Donc parlons de ce cap. Penses-tu qu'en termes de jeu fourni par la SS au niveau tactique et technique, ils sont susceptibles de devenir champions cette année? S'ils jouent comme ils ont joué là, samedi, alors après, je veux bien, la pelouse aussi aide beaucoup. Même si j'ai tendance à dire que la pelouse synthétique ne t'apprend pas à faire un triangle. Là, en l'occurrence, ils avaient le terrain synthétique. Ils s'en sont servis. Ça a été, si tu veux, quelque chose qui les a beaucoup aidés dans la manière de faire circuler le ballon. J'ai vu Atlan et j'en ai discuté avec lui. Mais il me disait, quoi, tous les samedis, tu me dis de jouer là. Enfin, voilà, quoi, je suis content, quoi, effectivement. Donc, voilà. Malheureusement, ils n'auront peut-être pas ce terrain-là puisqu'ils reçoivent à Bémao. Mais si ils ont cette faculté de jouer comme ils ont joué samedi partout ailleurs, enfin, personnellement, je te le dis, je ne suis pas supporter de la SS. Il n'est pas question de supporter la SS, mais j'aurais souhaité avec ce jeu-là qu'ils arrivent au bout, quoi, tu vois. Mais c'est ce que je disais d'ailleurs au président Coupette. La finalité, c'est quoi? D'être champion ou de continuer après, l'année d'après, en étant un concurrent à prendre au sérieux en Ligue Antilles ou en Ligue des champions de la Caraïbe. C'est ça, la finalité n'est pas un titre de champion. Ce serait bien pour le club de la SS, parce que ça fait quand même des années qu'ils n'ont pas gagné, mais il aurait été souhaitable qu'on ne cesse pas le travail à la fin de la saison avec un titre. Oui, le titre, d'accord, je pense qu'au niveau de la SS, on a envie de reconquérir ce titre-là, mais pour moi, ça ne doit pas se terminer à juste à un titre de champion. Quoi. Donc t'as parlé de Raphaël, t'as parlé de Altran. Quel autre joueur de la SS qui t'a séduit? Et pourquoi? Alors, Livio Damasajus, bon, lui, je le connais depuis en U17. Ouais, c'est, pour la petite histoire, Livio a fait quelques essais avec nous à l'Étoile, il était au Rapide. Je voulais qu'il reste, je lui ai proposé de rester. Il était venu de son propre chef, hein. Je lui ai proposé de rester, bon, malheureusement, des raisons familiales, de rester au Rapide cette année-là. Donc tu vois, j'en dis du bien de lui depuis qu'il a 15-16 ans, quoi, tu vois. Donc sa prestation ne m'a pas étonné. C'est quelqu'un qui est un peu timide de manière générale dans la vie, mais sur le terrain, c'est un mec qui techniquement sait faire la différence, et il l'a montré sur le dernier but. Jocelyn Goma lui fait confiance, c'est un profil qui intéresse beaucoup Jocelyn. Et il retrouve son coéquipier Raphaël en attaque, donc en attaque de la section. Donc oui, il aurait été souhaitable que ce gamin-là il puisse encore progresser, encore prendre plus de place dans cet effectif de la SS et en Guadeloupe, pourquoi pas. Après, il y a eu Salazar, Atlan, on en a parlé, mais il y a eu Salazar. Salazar a joué dans quel rôle? Il était placé en tant que milieu relayeur faux 6 en fait. C'était pas vraiment ainsi. C'est pour ça que je te dis qu'ils sont venus avec quand même un culot et osé, quoi. En alignant 4 joueurs plus Salazar, qui est un 6, mais on sait très bien que c'est un meneur de jeu. Tu sais, c'était vraiment une audace. Et j'ai apprécié ça de la part de Cauchemar, de Johan Cauchemar, l'entraîneur de la SS. Et lui, il m'a beaucoup plu. Après, il y a eu aussi, alors je ne me rappelle plus de son nom, le numéro 6. Saint-Maximin, c'est mon coup de cœur. Mais écoute, je sais pas si on s'est rendu compte. Hein. La SS est venue avec un 6, un vrai 6. Donc lui, Saint-Maximin, et eux, le CSM, ils sont venus avec 3 milieux défensifs. Et à lui seul, il a pour moi fait quasiment mieux que ce qu'ont proposé les 3. C'est dire à quel point le jeu défensif du CSM doit pour moi évoluer. Tu sais, je prends un gars comme Francione. Pour moi, Francione, ce mec-là n'a pas progressé. Il n'est pas plus fort qu'il y a 4-5 ans. Et s'il n'a pas progressé, bah alors certainement, je veux bien dire qu'il a peut-être pas fait ce qu'il fallait ou il a peut-être mis le foot entre parenthèses. Ok, d'accord.
Mais je pars du principe que s'il n'a pas progressé, s'il n'est pas plus fort qu'il y a 5-6 ans, c'est parce qu'il n'est pas dans un, comment dirais-je, le jeu qui est autour de lui n'est pas propice à une évolution. Pensionne, ce mec-là devait être pour moi en sélection, tu vois. Mais il n'a pas progressé ces 5 dernières années. Et encore une fois, s'il n'a pas progressé, ce n'est pas uniquement à cause de lui. Je pense que dans l'effectif dans lequel il se trouve, eh bien, si tu veux, il est un peu limité par rapport à ce que lui demande son coach, quoi, qui est plutôt de défendre, quoi, alors que c'est un mec qui, c'est un joueur de ballon, quoi, tu vois. Et la liste est longue. C'est lui qui a fait la passe pour Anatole. Et tu vois, c'est un mec qui a une vision de jeu, tu vois. Et moi, j'ai un regret quand je vois ce gars-là jouer parce que j'ai l'impression qu'il ne s'exprime pas, quoi, tu vois. Et la liste est longue. Il y a pas mal de joueurs comme ça en Guadeloupe qui malheureusement n'évoluent pas dans une logique de progression et qui pour moi régresse. La liste est longue, il y en a beaucoup comme ça. Il y a Neil Roche par exemple, il y a Dimitri Bolivar. Dimitri pour moi ne progresse pas ces deux dernières années. Ne progresse pas. Dimitri Bolivar, Neil Roche, je l'ai dit. T'en as d'autres comme ça, il y en a plein. Bon, je ne pense pas à tout le monde, mais la liste est longue. On a tendance, si tu veux, à ne pas mettre nos meilleurs joueurs dans leurs meilleures conditions, dans les meilleures conditions. Nous sommes à 16 minutes 39. Déjà, pour le premier débrief. On voulait garder très court. Il y a au moins 37 connectés sur le direct. Si vous avez une question pour Benjamin Corentin, n'hésitez pas. Nous allons rester encore 5 minutes, je veux dire, histoire de vous garder en haleine pour les prochains. Parle-nous un peu du CERFA. Le CERFA qui est quelque chose qui a emmené beaucoup de polémiques, beaucoup de bruit. Le CERFA maintenant est à 3 défaites, 1 match nul. Les polémiques et les bruits, on les entend plus trop. Donne-nous un peu ton avis sur le CERFA. Je vais te dire quelque chose. Concrètement, je me fous royalement des résultats du CERFA en fait. Je me fous royalement des résultats, des scores du CERFA en fait. Je suis convaincu que ces mecs-là progressent davantage dans cette structure-là. Je suis convaincu qu'ils apprennent beaucoup plus, aussi bien techniquement, tactiquement, dans l'intelligence de jeu, et qu'ils progressent beaucoup plus que s'ils avaient été un peu éparpillés dans tous nos clubs de R1, là, nos magnifiques clubs de R1, là, avec nos magnifiques coachs. Là. Je pense que ces gamins-là sont amenés à progresser beaucoup plus, peu importe le score à l'arrière, 4 ans en sélection. Je pense que cette structure-là amènera ces gamins-là à un niveau d'excellence, à un niveau de performance, qui dans 3-4 ans, ben, je ne sais pas moi, pourquoi pas, ben, je ne suis pas sûr qu'on pourra concurrencer des délégations comme Curaçao, comme Haïti, ou encore, je sais pas, Trinidad et Tobago, ou encore même la Martinique. Et d'ailleurs, dans le CERFA, il y a des Martiniquais, il y a des Guyanais, donc c'est une structure qui pour moi doit amener nos éléments, nos meilleurs jeunes à un niveau d'excellence. Certains seront amenés à partir après. Mais je regrette, moi je ne comprends pas cette polémique sur le CERFA. Ce qu'il faut qu'on regarde, c'est la progression des joueurs. Et on ne peut pas me dire aujourd'hui que si ces gamins-là étaient partis, ils étaient un peu explosés un peu dans tous les clubs de R1, qu'ils auraient progressé beaucoup plus. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux, les mecs bossent beaucoup plus avec leur entraîneur Subodino, c'est ça Frédéric Bodino. Yeah. Et j'ai un énorme respect pour ce travail. Donc non, au contraire, moi j'aimerais bien les encourager à continuer ainsi. Aujourd'hui, le foot t'impose donc de l'intensité, de l'intelligence de jeu. Solliciter l'intelligence d'un gamin, on n'a pas idée de comment ça sert pour sa formation. Et là, au CERFA, tout est réuni pour qu'il puisse progresser. Donc voilà, quoi. Donc, je veux bien qu'on puisse nous parler des résultats du CERFA, mais restons et regardons ce qu'ils font sur le terrain. Quoi. Je m'en fous qu'ils perdent 5-2 dans le week-end. Quoi. Moi, ce que je veux, c'est que ces gars-là finissent de progresser, arrivent à maturité et que dans 4 ans, qu'on les retrouve en sélection. Quoi. Ouais, ben merci. Juste une dernière chose, parce que c'est ce que j'allais dire. On n'a pas pu réellement définir la tactique quand même qu'a proposé la SS ce week-end, et c'est ce que je voulais quand même. Je voulais revenir là-dessus parce que ils sont arrivés, on l'a dit tout à l'heure, avec un quatuor offensif, donc très audacieux de la part de Johan Cauchemar, mais il a surtout donné une leçon tactique à Richard Albert, quoi, tu vois. C'est-à-dire Richard Albert, on le connaît, il déroge pas trop à ses principes qui sont un peu défensifs. Il arrive avec un milieu à 3. Alors qu'en face, tu as 5 joueurs. Non seulement tu as 5 joueurs à vocation offensive, mais derrière, en défense, tu as 2 milieux de terrain, quoi, qui te servent de défenseurs. Quoi. Ce ne sont pas des défenseurs centraux de métier. Linon et Pino, ils sont des milieux. Donc, tu arrives avec un culot au moule
et tu exploses. Enfin, toi, tu arrives, Richard Albert, avec un système plutôt défensif à trois milieux, et tu prends 4 buts dans la tronche, quoi. Alors, je veux bien dire à nouveau que Anatole est sorti et ça change beaucoup de choses. Mais tu as quand même pris 4 buts face au CSM, alors que tu avais tout fait pour quadriller. Et non seulement ça, avec ton milieu relayeur, là, avec Francillon Lobry, le jeune là, dont j'ai oublié le nom. Merion, je crois. Et en plus, tu demandes à Soubdan, qui est sur le côté gauche, de revenir au milieu de terrain, de renforcer ce milieu. Donc en fait, finalement, t'as quasiment une équipe plutôt défensive et t'en prends 4 dans la tronche, quoi. Donc il faut quand même qu'ils se remettent en question, parce que pour moi, j'ai l'impression que cette année-là, le CSM a de quoi concurrencer la SS au niveau du jeu. J'aurais aimé qu'ils nous proposent autre chose, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que tactiquement, c'est surtout ça qu'il y avait beaucoup d'enseignements à tirer de ce match-là. Et Richard Albert a pris une leçon, il faut le dire, quoi, tu vois, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on va te dire en retour. Non, il faut le dire. Richard Albert apprend aussi, quoi, tu vois, il a le droit d'apprendre. Et là, en l'occurrence, il a pris une belle claque. Et j'espère en tout cas que ça va provoquer chez le CSM, on va dire, une espèce d'évolution, quoi. Donc voilà, donc nous arrivons à la fin de ce premier débrief. Bah, merci. Il y en aura sûrement d'autres, ouais, merci. Ou pas. Donc on est en direct au Foot 5 Guadeloupe. Ouais, donc si vous ne connaissez pas, eh ben, c'est à côté de la SS, c'est dans les locaux de la SS. C'est un nouveau 5 qui est en Guadeloupe, donc je vous invite, les fanatiques de football ou du 5 qui veulent se montrer, qui veulent faire des petits ponts et tout ce qu'ils veulent et tout ce que vous voulez. Donc il faut venir ici et je remercie le Foot 5 de Guadeloupe de nous avoir prêté leurs locaux pour ce premier débrief. Localement fier, Carisport, Gaël.